Chavoie Tom à tous, bonjour. Me voici dans la voiture, sur le téléphone, se gamelle pas. Si elle est bien, ne crie pas trop. Hein? Je fais la vidéo. Les dents ils sortent, hein? Tu bavouilles. Blablabla. Donc le psaume 100... Ouh là là, 119. On continue. On est du verset. Elle est en pleine forme, hein? 145 jusqu'à 160. Tu es d'accord? Oh là là! Je crie! Et voilà, elle crie. Je crie de tout cœur. Réponds-moi, Yahuwah. Je préserve tes lois. Je crie vers toi, sauve-moi. Je garde tes témoignages. J'accueille l'aube et j'appelle. Je souhaite ta parole. Mes yeux accueillent les gardes pour m'épancher en ton dire. Entends ma voix selon ton chérissement. Yahuwah, fais-moi vivre selon ton jugement. Ils s'approchent, les chasseurs d'infamie. Ils s'éloignent de ta Torah. Proche-toi, Yahuwah. Tous tes ordres sont vérité. Jadis, j'ai pénétré tes témoignages. Que tu les fondes en pérennité. Vois ma misère. Renfloue-moi, car je n'oublie pas ta Torah. Combat en mon combat. Rachète-moi. Fais-moi vivre en ton dire. Le salut est loin des criminels. Non, ils n'ont pas cherché tes lois. Tes matrices sont multiples, Yahuwah. Fais-moi vivre selon ton jugement. Mes persécuteurs et mes oppresseurs sont multiples. Je ne tends pas loin de tes témoignages. J'ai vu les traîtres et les abhors, parce qu'ils ne gardent pas ton dire. Vois, oui, j'aime tes préceptes. Yahuwah, fais-moi vivre selon ton chérissement. Tête de ta parole, vérité en pérennité. Tout jugement de ta justice, oui, tout. Alors, je me demandais qu'est-ce que ça veut dire les abords, même que je l'ai déjà vu, j'ai encore pas retenu. Verset 158, je suis écœurée en voyant des renégats, des gens qui n'observent pas tes instructions. Des traits des abords. Des renégats. Parce qu'ils n'observent pas ton tir. Ton tir, ces gens qui n'observent pas tes instructions. Des renégats. Renégat non plus, ça me parle pas. Bon, j'ai que deux versions là. Alors ensuite, le proverbe, chapitre 29, on est maintenant, c'est le verset 4 et 5. Elle a enlevé ses chaussures. 4 et 5. Le roi maintient le pays par le jugement, mais l'homme qui est adonné au présent, au cadeau, le ruinera. L'homme qui flatte son prochain étend le filet devant ses pas. Et je répète. Un roi assure la prospérité de son pays lorsqu'il respecte le droit. Mais s'il lève des impôts abusifs, il le ruine. Ouh là là, que c'est différent. On parlait de cadeaux là-bas et là on parle d'impôts. C'est chelou. Qui flatte ses amis place un piège sur son propre chemin. Là, on est d'accord, c'est pareil. L'homme qui flatte son prochain étant le filet devant ses pas. Le deuxième, là, c'est pareil. Le premier, interrogation. Oui, on prie, prions. Prions. Merci Abba pour cette nouvelle journée que tu nous donnes. J'ai de la voix, je suis en forme. Merci pour mon papa, merci pour ma maman. Merci de ce qu'on peut aller faire un petit tour. Un petit tour. Akama, opus. Merci Seigneur de nous garder, de nous diriger, même dans nos achats, Seigneur. Merci Seigneur pour ta sagesse. Merci pour ta fidélité. Tu nous donnes encore une nouvelle semaine, en ce premier jour, oui. Je prie que tu nous aides à faire ta volonté, que nous soyons toujours concentrés à ce que toi tu voudrais pour nous réaliser, oui, que tu es là, présent, omniprésent, oui,
et que nous devons regarder à toi, à ce que toi tu veux pour nous, Seigneur. Chercher conseil auprès de toi, dans ta parole, dans la prière, dans la méditation, parce que aussi il nous faut être dans le calme aussi. Hein? Et dans la patience pour attendre ta réponse qui quelquefois tarde, Seigneur, ou alors lorsque nous ne l'acceptons pas. Oh Seigneur, fais que nous ne soyons pas des enfants rebelles, que nous ne soyons pas dans le vouloir seulement ce qui nous plaît, Seigneur, et refuser ce que toi tu dis. Chérie, les cigognes. Il y a des cigognes. Des centaines de cigognes. Regarde le vol là-haut. Merci Seigneur pour ta création. Oui, c'est beau Seigneur. Oh, alléluia. Merci pour les oiseaux. Merci pour tous les animaux. Merci pour la petite fourmi et le grand éléphant. Merci Seigneur pour tout ce que tu as créé. Les arbres fruitiers. Il y a la semence et puis il y a le fruit, le légume. Merci Seigneur. Tu as tout donné pour notre bien-être, Seigneur, qu'on puisse se nourrir correctement, Seigneur, non dans l'excès, non, parce que c'est aussi un mal, un péché, quelque chose que tu ne veux pas, que nous puissions être modérés, Seigneur, modérés. Merci, Abba. Tu es bon et fidèle envers tous tes enfants. Nous, nous sommes en santé, Seigneur. Mais il y en a qui souffrent en ce moment. Je prie pour que tu leur accordes ta guérison, Seigneur. Tu connais les inquiétudes de chacun, Seigneur. Il y a des fois des symptômes alarmants, Seigneur. Interviens puissamment, oui, à celui qui crie, tu lui réponds. Le malheureux crie, l'Éternel attend. Le délivre de toutes ses détresses. Oh Seigneur, celui qui se confie en toi, ne le regrette jamais. Tu as fait tomber quelque chose. Tiens, je te donne, c'est la bouteille. Tu veux? Tiens, voilà, tu mordis ça, ça te fait du bien. Rodin, merci pour les dents qui poussent. Papa, j'ai mal, mais aide-moi. Oh, allez, Seigneur, bénis-la et que toutes ces dents sortent. Un jour, oui, bientôt, petit à petit, sans trop de problèmes. Merci Seigneur, je te souvenir. Du petit Noam d'ailleurs, peut-être qu'on disait, car tu disais, c'est peut-être les molaires qui font mal. Seigneur, la maman de Jean, le papa de Valérian, merci Seigneur d'intervenir dans la vie de chacun. Oui, tu es fidèle et tu es patient. Oui, fidèle envers tes enfants qui t'aiment et patient envers le méchant qui ne te connaît pas. Oui, tu souhaites non pas la mort du juste, mais tu souhaites qu'il vive et se repente. Pense aussi pour Mounia et Samia, qui voient leur lutte vers l'Éternel contre la maladie. Au-delà de la lutte, il faut se rapprocher de toi, Père. Et je prie, Seigneur, que les vies puissent être changées par ta grâce, ta puissance, ta volonté. Merci Abba. Et tous mes frères et sœurs, partout dans le monde, que ta parole soit donnée, qu'elle soit comprise pour être bien pratiquée, que le royaume des cieux augmente, que les ténèbres reculent. Amen. Je suis fort, fort, oui, parce que vainqueur par le sang de Yahusha, par le sang, oui, du Messie. Amen. Soyez bénis, bisous, à demain.